La France est la terre de tous les possibles. C'est ma conviction. Et la France, je l'aime. Pourquoi je l'aime tant, au-delà d'y être né? Comme le dit le monde entier, pour sa gastronomie, ce que j'aime aussi, c'est son histoire, son architecture, ses paysages. Manger un Paris-Brest face à la Seine. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est son hospitalité. Mes parents étaient réfugiés politiques portugais et ont choisi la France comme terre d'accueil au milieu des années 60, pour une vie meilleure. Ils n'avaient pas 20 ans. Ils l'ont tout de suite remarqué. Quel pays formidable! Des valeurs fortes, du travail pour tous et des conditions de vie prometteuses. Ils se sont rencontrés en France, s'y sont mariés, ils y ont travaillé toute leur vie et ils ont eu 4 merveilleux enfants. Je suis allé au Portugal pour la première fois à l'âge de 5 ans. Le calme était revenu et mes parents n'étaient plus inquiétés par la situation du pays. J'ai découvert le pays de mes parents, mais était-ce vraiment le mien? En tout cas, pendant toutes ces années, j'ai bénéficié d'une double culture qui m'a tant habité par la suite. Je me souviens, un jour, à l'âge de 15 ans, mon père me dit « Mon fils, j'aurais aimé être patron. » Le patron, il crée de la richesse pour son pays. Il donne du travail et il permet aux travailleurs de construire leurs rêves. À 40 ans, mon père avait eu l'opportunité de racheter l'entreprise dans laquelle il travaillait. Elle était en difficulté et risquait de disparaître. Il n'a jamais pu la racheter, il ne s'en sentait pas capable. L'entreprise a disparu avec les salariés. « Je ne serai jamais patron, » me disait-il. « Je sais que toi, tu pourras l'être. » Moi, dès l'âge de 10 ans, mon rêve, c'était d'être architecte. Je suis fasciné par la capacité des hommes à construire des bâtiments aussi immenses. Dans mes rêves, je suis Spider-Man. Je me déplace d'immeuble en immeuble. Mon père me parle de temps en temps de l'entrepreneuriat comme s'il me confiait une mission. Peut-être un moyen de remercier la France pour son hospitalité. Malgré des notes catastrophiques et une conduite discutable, mon père a la conviction que je deviendrai chef d'entreprise et que j'en ai les capacités. Quel précieux cadeau pour un fils d'être valorisé par son père. Il faut dire que je pars avec un léger désavantage. Mes parents ont appris à parler français seulement quelques années avant moi. Il aurait été difficile de m'aider dans ma scolarité et d'avoir des meilleures notes. Ah, les notes. Ils décident de me faire confiance. Et c'est ce qui m'aidera toute ma vie. Seulement, ces fameuses notes ne me permettront pas de faire des études d'architecte. Je choisis par dépit d'étudier l'électricité dans un lycée professionnel. Mes parents sont fiers de moi. Seulement, ils ne peuvent pas financer mes études. Ils me suggèrent de travailler le week-end pour gagner de l'argent. Alors, je vends des poulets sur les marchés. À ma grande surprise, sans diplôme, sans expérience, sans permis, il est assez simple de trouver un job. Plus difficile, c'est de se lever tôt, très tôt. Je prends goût au monde du travail et l'année suivante, je me dirige vers la voie de l'apprentissage. À l'époque, on dit que les jeunes qui se dirigent vers la voie de l'apprentissage sont des cancres et que c'est une voie par défaut. À l'époque, ça c'était avant. En 1990, je signe un contrat d'apprentissage dans une société de câblage électrique. Je suis super motivé. 1990, c'est aussi l'année de la guerre du Golfe. Quelques mois plus tard, mon patron annonce à mes 5 collègues et moi qu'il va devoir liquider l'entreprise à cause de cette sacrée guerre du Golfe.
Je l'avais surpris quelques semaines auparavant avec le commercial, dans son bureau, en train de jouer aux cartes. Sacrée guerre du golf. Je me rends compte à quel point il est facile de détruire des emplois. Moi qui rêvais d'en créer, mission non accomplie. Au fond de moi, j'ai la conviction secrète d'avoir le super pouvoir de créer des emplois. Je poursuis mon apprentissage dans une grande entreprise capable de supporter toutes les guerres. À 21 ans, je signe mon premier CDI dans une PME. 3 ans plus tard, elle est en difficulté. Une récession, nous disaient nos patrons. Je crois que c'est de cela dont ils parlaient chaque jour pendant de longues heures au restaurant. Sacrée récession. L'entreprise est contrainte de procéder au licenciement économique de 6 salariés. Et comme je suis délégué du personnel, je suis chargé de leur annoncer un à un leur licenciement, car la direction n'en a pas le courage. Moi qui rêvais de créer des emplois, j'ai la sensation d'en détruire. Encore raté. Je suis déçu par ces premières expériences. Je me sens démuni face à cette situation. Je décide de démissionner. J'ai besoin de voir autre chose, d'explorer le monde, de faire des rencontres. À 25 ans, je décroche un poste de technicien itinérant bilingue. Je parle très peu l'anglais. Ouais. Quelques mots, de quoi commander une bière. La première semaine, je suis envoyé en Angleterre. Ah oui, à première vue, ça peut paraître compliqué, mais je me rends vite compte qu'on ne me note pas, on ne me juge pas, on veut juste me comprendre. Alors je dois vous dire qu'une des spécialités des Portugais, c'est de parler avec les mains et le cœur. Pendant 4 ans, je découvre la France de long en large et une partie de l'Europe. J'allie travail et découverte. Je découvre des lieux et des personnes surprenants. Je m'enrichis des expériences des autres. En juin 2002, je peins les volets de ma maison et je suis pris de soudaines douleurs à l'abdomen. Quelques heures plus tard, les douleurs deviennent intenses et je suis transporté d'urgence à l'hôpital. Je subis une dizaine d'examens et mon état se détériore. Mes poumons se noircissent. Le lendemain, je suis sous assistance respiratoire. Les médecins diagnostiquent une infection généralisée des poumons. Il faut que je sois opéré d'urgence. À ce moment-là, mon espérance de vie est de 48 heures. Quelques jours plus tard, mon état s'améliore. Les douleurs sont toujours intenses, mais je respire. Je dois rester en soins quelques semaines à l'hôpital. Dans le service pneumologie, je suis entouré d'hommes, pour la plupart, atteints du cancer du poumon causé par la cigarette. Michel, mon voisin de chambre, me fait part de ses remords. Je rêvais de créer une entreprise, et maintenant c'est trop tard. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Son témoignage me rappelle à ma mission d'entrepreneuriat, mon rêve de grand bâtiment. Et c'est dans mon lit d'hôpital que je commence à créer mon projet d'entreprise. En réalité, j'avais qu'une idée en tête. Débrancher mes sondes, me lever et filer dans un bon restaurant. Et c'est ainsi que me vint l'idée de créer un guide gastronomique et le passe à table naît. C'est ma première expérience de dirigeant et elle est compliquée. Malgré mon énergie et la conviction que je vais arriver, je me rends compte que j'avance difficilement. En fait, j'avance pas du tout. Je me rends compte que je ne suis pas prêt. Après 2 ans d'activité, je décide de stopper l'entreprise et de redevenir salarié.
En 2008, j'ai l'opportunité de racheter une entreprise de travaux sur cordes. Tels des Spider-Man, ces salariés nettoient les vitres des grands bâtiments. L'entreprise existe depuis 15 ans. Elle a 3 salariés. Elle est en difficulté. Nous sommes en 2008, en pleine période de crise. Mais cette fois-ci, c'est moi qui suis aux commandes. Je décide de ne pas être victime et de ne pas devoir annoncer aux salariés que c'est la crise qui est responsable de la perte de leurs emplois. En tout cas, je me promets de ne pas jouer aux cartes. C'est malgré tout un vrai coup de poker, car l'activité de l'entreprise est très faible. Il faut la développer. C'est par cela que j'ai commencé. Je me souviens, un des premiers jours, je pars chez un prospect avec le véhicule de société. Ce contrat important permettrait de payer les salaires. En chemin, je me fais arrêter par 2 gendarmes. Un de mes pneus est fortement usé et je dois le changer sur place immédiatement par la roue de secours. Après vérification, ma roue de secours est crevée. Ils poursuivent le contrôle et détectent un défaut de carte grise, d'assurance, de contrôle technique. Ils me demandent « Vous avez au moins votre gilet jaune ?» Pas de gilet jaune. Malgré mes explications, il m'ordonne d'aller chez le premier garagiste pour changer mes pneus. J'aimerais, aujourd'hui, m'excuser publiquement auprès de ces 2 gendarmes. Je ne suis pas allé chez le garagiste. J'ai préféré honorer mon rendez-vous. Le contrat a été signé et les salaires versés. Alors que le statut auto-entrepreneur fait son apparition, l'entreprise fait face à une concurrence forte. Nous devons nous différencier. Au-delà de notre savoir-faire, mettons notre savoir-être au service de nos clients. Donnons-leur envie de travailler ensemble et durablement. J'ai juste envie de créer des emplois et aussi d'embaucher des apprentis. Je n'ai pas fait d'études pour devenir dirigeant. Je n'ai pas non plus les compétences techniques. Conscient de mon manque d'expérience, je m'attends à ce que la mission soit compliquée et à devoir travailler énormément. Je sais que je ferai des erreurs et qu'elles me serviront à progresser. Je suis déterminé. J'ai pas d'autre moyen que de faire confiance en mes collaborateurs. Je leur fais faire des choix en les questionnant. Je sais que leurs solutions techniques seront les meilleures. Les salariés me feront confiance. Je sens qu'ils croient en moi. Je les valorise comme mon père m'a valorisé. Je me souviens de ce précieux cadeau et je le remercie. La confiance que je porte en mes collaborateurs a été une véritable alliée dans le développement de l'entreprise. À aucun moment, pendant ces 10 ans, je n'ai ressenti que nous étions en crise. J'ai bien vécu quelques années noires, mais rien à voir avec une quelconque guerre ou crise économique. J'apprenais tout simplement mon métier de dirigeant avec mon équipe. Expérimenter, appliquer, se tromper, apprendre, réajuster, grandir. L'activité se diversifiait avec des projets sur des bâtiments d'architectes de renom et des emplois se créaient. 20 en 10 ans. Cette mission que mon père m'a confiée, mener à bien mon projet d'entrepreneur, créer de la richesse pour mon pays et créer de l'emploi, je l'ai accomplie. Je suis aujourd'hui entouré de 23 collaborateurs. Je suis fier de cette équipe unie, dynamique, sérieuse et engagée
qui fait vivre l'entreprise au quotidien. J'espère à présent que, comme moi, vous avez cette conviction. La France est la terre de tous les possibles. Merci.